Bonjour à toutes et à tous. Je me réjouis profondément, c'est pas simplement une formule, de l'initiative qui a été prise d'organiser un colloque sur la non-violence dans un lieu universitaire. L'université devrait être le lieu naturel où s'enracine la réflexion sur la non-violence. Et pourtant, ce n'est pas vraiment le cas. Alors, on pourrait expliquer pourquoi, mais enfin, je n'en ai pas le temps maintenant. Je crois que nous sommes dans une société dominée par l'idéologie de la violence, par ce que j'appellerai l'idéologie de la violence nécessaire, légitime et honorable. Nécessaire, légitime et honorable, et chacun de ces trois mots est aussi important que les deux autres. Alors, de telle manière que nous avons une vision positive de la violence, comme étant en quelque sorte la norme de la lutte contre l'injustice. Et si nous avons une vision positive de la violence, nous aurons par le fait même une vision négative de la non-violence. Et je crois qu'on en est là. En réalité, je crois qu'il faut bien comprendre que ce mode de non-violence, il a une double négativité. Et si je ne me trompe, moins par moins donne plus, à condition donc que nous ayons une vision négative de la violence. Et c'est le premier point, je crois qu'il est essentiel de euh, souligner. Euh, si, euh, n'est-ce pas, la, la violence apparaît comme la vertu de l'homme fort, qui a le courage de prendre les risques, les risques, pour lutter contre l'injustice et défendre la liberté, la non-violence sera considérée comme la faiblesse de l'homme lâche, hein, qui n'a pas le courage. De résister et qui se résignent à subir le joug des oppresseurs et pactise par avance avec les agresseurs. Or, précisément, ce que Gandhi a, a montré, non seulement par la parole, mais je dirais essentiellement par l'action, c'est que si la violence peut être parfois préférable à la lâcheté, la non-violence est toujours préférable à la violence. Voilà ce que disait Gandhi. Je crois vraiment, affirme-t-il, que là où il n'y a que le choix entre la lâcheté et la violence, je conseillerais la violence. C'est pourquoi je préconise à ceux qui croient à la violence d'apprendre le maniement des armes. Il est très clair, très précis. Je préférerais que l'un du recours aux armes pour défendre son honneur plutôt que de l'avoir par lâcheté devenir ou rester l'impuissant témoin de son propre déshonneur. Mais je crois que la non-violence est infiniment supérieure à la violence, que le pardon est plus humain que le châtiment. La non-violence est la loi de l'espèce humaine comme la violence est celle de la brute. L'esprit est assoupi chez la brute et celle-ci ne connaît d'autre loi que la force physique. La dignité de l'homme réclame de lui l'obéissance à une loi supérieure. À la puissance de l'esprit. Comme on dit, la, la véritable force, le véritable courage de l'homme fort, c'est de résister au mal et de combattre l'injustice en prenant le risque de mourir pour ne pas tuer plutôt que de prendre le risque de tuer pour ne pas mourir, qui est un petit peu le, le risque même de la, de la violence. Et, Bien sûr, il y a toute cette culture de la guerre qui est encore présente dans notre culture. Alors, je voudrais, pour préciser le concept de non-violence, distinguer ce que nous avons trop souvent l'habitude de confondre. Distinguer le conflit, l'agressivité, la lutte, la résistance et la violence proprement dite. Le conflit. Je dirais, au commencement est le conflit. C'est-à-dire que nous sommes le plus souvent dans des relations de conflit potentiel, au niveau interindividuel, au niveau social et au niveau politique. Il s'agit d'accepter le conflit. C'est à travers le conflit que je vais pouvoir construire ma relation à l'autre. Et en même temps, je pourrais avoir peur du conflit et fuir le conflit. Donc il faut réhabiliter le conflit. La non-violence réhabilite le conflit comme étant le moyen de construire un dialogue avec l'autre. Parfois, les spiritualistes voudraient laisser croire que la non-violence est la force du dialogue. Alors bien sûr, la non-violence va épuiser toutes les possibilités du dialogue. Mais ce qui caractérise l'injustice le plus souvent, c'est que le dialogue n'est pas possible entre l'opprimé et l'oppresseur. On dit plutôt que de penser que le dialogue va résoudre le conflit, et c'est euh, le conflit qui va résoudre le dialogue. Hein, et ceci par des problématiques de, de non-violence. Alors, on pourrait aussi souligner que souvent, j'entre en conflit avec l'autre lorsque. Je désire en même temps le même posséder le même objet que lui. C'est ce que René Girard appelle la mimésis d'appropriation. Si vous mettez deux enfants dans une même pièce avec dix jouets à leur disposition, le premier enfant va s'approprier un jouet. Que devinez-vous que le second enfant va désirer Si mes calculs sont bons, il lui reste neuf jouets à sa disposition, mais il est à peu près sûr qu'il va désirer le même jouet, il va s'approcher du premier enfant et tenter de s'approprier le jouet. Alors bon, nous sommes plus des enfants à proprement parler, mais je ne suis pas sûr que nous ayons quitté cette problématique de la mimésis d'appropriation. Donc le conflit pour pouvoir construire avec l'autre une relation de justice. Deuxième élément essentielle, la lutte. C'est vrai que je ne pourrai construire la justice qu'à travers la lutte. L'encore, il faut réhabiliter la lutte, ne surtout pas laisser croire que déjà la lutte est la violence. Et la lutte va être le moyen d'exprimer mon agressivité. L'encore, l'agressivité est une puissante affirmation de soi. Il s'agit de distinguer fondamentalement de la violence. L'étymologie latine du mot agressif, c'est ad gradi, avancer vers l'autre, avancer vers l'autre, précisément pour revendiquer mes droits. Alors, quand l'esclave est soumis à son maître, il n'y a pas de conflit. Il faut que l'esclave réveille son agressivité pour pouvoir revendiquer ses droits. On pourrait prendre aussi l'exemple de la lutte de Martin Luther King aux États-Unis, qui avec Gandhi est tout de même le, la référence essentielle en matière de non-violence. Tant que les Noirs étaient résignés à subir l'oppression des Blancs, il n'y avait pas de conflit. L'ordre était établi. Et précisément lorsque Martin Luther King a demandé aux Noirs de descendre dans de la rue pour affirmer leurs droits, on lui a reproché de créer le désordre. Et c'est vrai que lorsque l'ordre est injuste, vouloir la justice, c'est créer le désordre, bon, dans un premier temps. Donc, vouloir faire apparaître la justice au grand jour, sur la place publique, pour pouvoir la combattre. De même, dans cette lutte, en mettant en œuvre mon agressivité, je vais exprimer une force. Alors là encore, réhabiliter la force que nous devons fondamentalement distinguer de la violence. La justice est un équilibre de forces. Et la lutte a précisément pour fonction de rééquilibrer les forces et de créer un nouveau rapport de forces qui puisse véritablement permettre le dialogue. Il y a un autre nom, mais que vous ne connaissez peut-être pas, qui peut être évoqué pour signifier la non-violence, c'est César Chavez. César Chavez était le leader des travailleurs agricoles aux États-Unis. Les travailleurs agricoles étaient le type même du sous-prolétariat inorganisé, surexploité. Et Chavez, qui lui-même était dans les champs dès son plus jeune âge, a voulu organiser un syndicat des ouvriers agricoles. De même qu'il existe un Martin Luther King D aux États-Unis, il existe un César Chavez D. Quand j'ai rencontré Chavez en 72 en Californie, il avait déjà obtenu des contrats syndicaux avec certains propriétaires. Et il continuait la lutte par la grève et le boycott. Et je lui ai dit, César, est-ce que si tu as obtenu déjà des contrats, c'est parce que tu as touché le cœur des propriétaires Et il m'a répondu, oui, nous avons touché, le boycott a touché le cœur des propriétaires, car le cœur des propriétaires, c'est leur portefeuille. Voilà donc, je crois bien préciser le, le rapport de force qui doit s'exprimer dans la lutte. Alors, la violence, maintenant. Bon, ben, la violence, nous allons pouvoir la définir de manière totalement négative comme étant le viol de la personnalité de l'homme. Le viol. Euh, par conséquent, nous devrons d'emblée délégitimer la violence. Il n'y a aucune possibilité de vouloir justifier la violence, euh, il faut absolument récuser tous les processus de légitimation, de justification de la violence. La philosophe Simone Veil disait que la violence, c'est que quiconque lui est soumis est une chose, ce processus de réification, de chosification. Donc l'homme n'est plus traité comme un sujet mais comme un objet. Il s'agit donc de vouloir euh, récuser cette problématique et euh, affirmer la personnalité euh, de chaque personne. Donc, je crois que le, le réalisme nous montre qu'il n'y a pas d'efficacité dans la violence. La violence ne va pas pouvoir régler le conflit. Elle ne va pas pouvoir résoudre le conflit. Et l'expérience nous le montre tous les jours, que ce soit au niveau interpersonnel, ou au niveau politique, ou au niveau international. Nous sommes tous certainement effarés par les comptes rendus qui nous sont faits des conflits au Moyen-Orient. J'ai eu l'occasion d'aller souvent au Liban, en Irak, en Jordanie, en Syrie. Vouloir croire que par la violence, je vais résoudre le conflit, c'est certainement se tromper. Alors, maintenant, on pose aussi parfois la question, quelle est la nature de l'homme C'est un bon sujet pour faire une mauvaise dissertation de philosophie à l'occasion du bac. Alors, est-ce que l'homme est bon ou méchant par nature Est-ce que l'homme est violent ou non violent par nature Je dirais, l'homme, il est libre par nature. C'est-à-dire, il a à la fois cette liberté d'être violent et cette liberté d'être non violent. Si bien qu'il faudra choisir, c'est ça la liberté de l'homme, c'est le choix entre euh, la violence et la non-violence. Peut-être d'ailleurs que dans un premier temps, ce sera la violence qui apparaîtra comme la voie la plus facile, mais si je peux identifier la violence comme étant la négation de mon humanité, c'est que l'exigeant de non-violence. Est plus profonde en moi, elle est antérieure en moi au désir de violence. Alors il se peut, il se peut que parfois nous ne sachions pas faire autrement que d'utiliser une certaine violence pour faire face au conflit, mais je crois qu'il faut bien affirmer clairement que nécessité ne vaut pas légitimité. Nécessité ne vaut pas légitimité. Alors il faut que je conclue si je comprends bien. Trois minutes. Trois minutes, bon, bon c'est bien. Euh, je crois que la, quelle est la stratégie de l'action non violente, précisément pour mettre en place un rapport de force Quelle était l'analyse de Gandhi L'analyse de Gandhi, c'était de dire si l'Inde est soumise à l'oppression, à la domination des Britanniques, c'est parce que les Indiens acceptent de collaborer, de collaborer avec les Britanniques. Je crois que c'est ce cette euh, attitude de collaboration qui signifie euh, la force de, de l'injustice. Face à l'injustice, il faut rompre la collaboration que je suis tenté de lui offrir. Refuser toute collaboration, y compris par la désobéissance aux lois, par la désobéissance civile. Euh, Là encore, nous avons peut-être trop l'impression que le critère du bon citoyen, c'est l'obéissance aux lois. Alors bien sûr, la loi, lorsqu'elle est juste, elle mérite notre obéissance, mais lorsqu'elle est injuste, elle mérite notre désobéissance. Et je crois qu'il faut, même au niveau des, des enfants, euh, leur apprendre qu'ils ne doivent pas obéir en, en abandonnant leur responsabilités. Sinon, on tombe précisément dans l'irresponsabilité. Et euh, les actions de résistance par la désobéissance civile vont justement provoquer le pouvoir. Et bien sûr, la résistance non violente va provoquer la répression, une certaine répression de la part de l'État qui va, tâcher, va tenter de se justifier et de se défendre. Mais la grande différence, c'est que dans la stratégie de l'action non violente, je n'offre jamais à l'adversaire les moyens. De justifier la violence de la répression. Alors que là encore, nous pouvons l'expérimenter dans toutes les luttes. Si j'utilise la violence pour combattre l'injustice, je vais justifier la violence de la répression, y compris aux yeux de l'opinion publique. Donc je ris de créer, un, non pas un rapport de force, mais de désamorcer le processus, la dynamique de la lutte. Donc il s'agira de. Bien sûr, ce sera l'union qui fera la force il s'agira que ce soit la loi du nombre. Si je suis tout seul à désobéir, je ris de me retrouver rapidement en effet victime de la répression. Si nous sommes plusieurs, une certaine minorité, pas la peine d'aller jusqu'à la majorité. Eh bien, je peux créer un rapport de force qui obligera finalement le pouvoir à céder. On peut analyser aussi là encore les actions de King par ce processus de désobéissance civile aux lois racistes du pouvoir blanc. Et King, comme Gandhi, comme Chavez, ont eu l'occasion de se retrouver en prison. La prison est un peu le passage obligé de l'homme libre. Mais précisément, l'homme qui réside par la non-violence est plus fort lorsqu'il est en prison, lorsqu'il est en liberté. Alors, voilà, euh, on peut longtemps encore développer la, la dynamique de la non-violence. Je dirais que nous sommes souvent prisonniers de, de l'idéologie de la violence et on nous laisse croire d'ailleurs que euh, la, la, la violence est le fait du nombre. Mais en fait, euh, c'est souvent le contraire. Il faut que nous puissions nous rassembler, nous unir dans la résistance non violente. Voilà, j'en termine là. Merci.